Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo banger. Non, compagnie de Jazzy. Salut la famille, vous allez bien? Je suis malade, je vous fais la bise comme ça vous tombez malade. Donc aujourd'hui la famille, ça va être incroyable. On va demander à des abonnés de choisir ce qu'on va manger pendant toute la journée. Peut-être qu'il y aura des bons repas, peut-être qu'il y aura des vieux repas. Myriam, quand c'est Yasmine qui organise les vidéos, c'est toujours une catastrophe. Mais non, t'inquiète. Bon allez, on va aller voir ce qu'ils nous ont préparé pour le petit déjeuner. T'es sûr? Oui, vas-y, allez, viens. Parce que s'il y en a, il me dit un truc pas bon, vous allez voir. Pour le petit déjeuner marocain, moi comme je représente le Maroc, je suis un Marocain. Myriam, elle va manger d'une semaine avec des œufs et un bon jus d'orange. Pour Ness, elle va manger des granolas avec du lait. En vrai, ça va pour le petit déjeuner? Ouais, en vrai, de vrai, ça va. J'ai pas eu un truc. Merci beaucoup, les gars. Oh, mais c'est le début de la journée, ça se trouve, ils commencent comme ça et après, ils vont nous. Tcha, tcha, tcha. Non, moi, je pense en vrai, ils vont être gentils. Donc, Myriam, petit déjeuner marocain, les amis, nous avons du msemen, des œufs et bien sûr du jus d'orange. Ici, on a tous les granolas disponibles, c'est une dinguerie. Et Myriam va commencer par le combo magique. Le msemen, les gars, elle va mettre du miel et toujours prendre cette cuillère en bois. Est-ce que tu sais pourquoi on prend cette cuillère en bois dans le msemen? On met bien, généreusement. N'importe quoi, parce qu'il y en a, ils disent, quand tu prends du métal dans le miel, en mode, ça annule tous les bienfaits du miel. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Il y a plein de personnes qui s'embrouillent, des Marocains et des Algériens entre eux. Et ça m'énerve parce qu'à la base, on est des musulmans. Ouais. Et vous avez notre prophète, Ali Sadsem, il a dit entre vous, il n'y a pas de race ni de tribu. Donc les personnes qui sont racistes, des Algériens, qui sont racistes des Marocains, je valide vraiment pas. J'espère que vous, la famille, quand vous allez grandir, vous n'allez pas devenir comme ça. On est tous des frères et sœurs, il faut tous qu'on soit soudés. Même si lui, il est Algérien, Hongrois, Chinois, Marocain, tout ce que tu veux, faut tous être soudés. Vas-y, te fous un Marocain, mais vas-y. T'as mis grave du miel. Nous, les gars, moi, en attendant, je vais sortir mes granola. Vas-y, goûte la spécialité marocaine. Oh là là, comme une pizza. Incroyable, ça les msemen c'est vraiment une singerie. En fait le miel il apporte une touche de goût au msemen, du coup ça fait que c'est incroyable. Goûtez hein, ceux qui n'ont jamais goûté ça. Moi les gars, on a différents types de granola, je vais prendre ceux-là. Ils ont inventé des granola Kellogg's. Regardez pour le matin. C'est tout mini. Tu viens mettre ça comme ça et c'est des mini cookies. On va rajouter du lait. Oh, t'as tabassé ça hein. C'est grave bon. Tchao. Voilà, un peu de lait. Et aussi, Yassine il m'a dit, il y a des nouveaux granolas super moelleux, mais ils ont marqué quoi? Mettez-les au micro-ondes. Est-ce que t'as déjà vu toi des cookies au micro-ondes? Non. On teste? Si, si. Ah ouais? Vas-y, on va tester. Wow, c'est ça que j'aime pas. Regardez quand t'achètes. Ça se voit, c'est pas un petit déjeuner marocain, c'est un petit déjeuner qui manque de respect aux gens. T'imagines, t'achètes ça, t'as pas d'argent et tu te retrouves avec des cookies comme ça. Celui-là il est intact. Je le mets dans le micro-ondes. Vas-y, je reviens les rails. J'espère vraiment que les abonnés. Vous allez pas faire les gamins avec nous, lui dire de manger de la ratatouille après, parce que je vous connais, vous commencez doucement et après vous allez nous fumer. Pendant que Younes il a mis son cookie au micro-ondes, et bah est-ce que vous êtes team manger des œufs le matin ou est-ce que vous êtes team ne pas manger d'œufs le matin? Younes lui, je sais qu'il mange tous les matins des œufs. Moi personnellement, je mange pas d'œufs à part peut-être en vacances, mais encore, hein, non, je mange pas trop d'œufs. Par contre, on dirait il a rétréci, genre. Ah ouais? Il est tout petit. Oh là là, avec le chocolat qui a fondu, ça a l'air incroyable. Ah, tu me laisses goûter? Ok, vas-y, goûte. Oh, merci. Les gars, c'est chaud, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Belek, belek, belek. Okay. 1, 2, 3, Miller. Oh là là, le chocolat il a fondu. Ah, c'est chaud. C'est pour ça que je l'ai laissé goûter. Vous devez vous dire pourquoi il laisse goûter, il est bizarre. Je savais que c'était chaud. Ça va, mais en fait, ça c'est devenu grave mou. Ça, ils ont dit de le mettre au micro-ondes. Alors, tu mets une note de combien sur 10? 10. Oh, vas-y, les gars, moi, ce que je vais faire, c'est on va goûter ça là. Les Kellogg's. Oh, ça s'est déjà cassé. Mais c'est quoi cette arnaque? Regardez. Bah, justement, c'est grave bon quand c'est cassé. Ah ouais? Ouais. Bismillah. Wow! Mais les granolas, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc les gars, on va continuer à se régaler avec ce petit déjeuner. On se retrouve pour la suite de la journée. Après un bon petit déjeuner, vu qu'on a plein d'énergie, on va faire des tirs au but. On a 6 ballons, on va demander à Siri combien de ballons on doit tirer. Chacun de tour, on va aller au goal. Ok les gars, j'aimerais trop tirer avec le ballon jaune, vu que c'est le meilleur ballon. Tu commences à aller au goal ou je commence? En vrai, je laisse commencer. Ok, je commence à tirer. Moi, un numéro entre 1 et 6. La réponse est 7. Il est bête ou quoi? Vas-y, c'est pas grave, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5... C'est 7. Oh là là, les gars, j'ai le ballon de la peluche de la maison. Il est trop trop nul, regardez. Je vais mettre toute ma frappe. T'es prêt? Ouais. Attends, mais j'avoue, je suis un papa ours. Et moi, je tire de là, j'ai pas honte. Mais où? Là, le but! Comme à l'école primaire, je marque tout le temps. J'allais l'arrêter, mais ça glisse trop. Regardez le sol. Tu peux faire des dérapages. Moi, numéro entre 1 et 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balles de tennis. Ah, c'est pour moi? Je m'en fiche pour la peine, vu que c'est la balle de tennis, je tire de là. Normalement, tu vas rater la balle du coup. Goal! Ouais! Ouais! Wesh, elle a touché ici, elle est rentrée, comment c'est possible? Bonus! Donne-moi un numéro entre 1 et 3. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4 balles de basket. Oh, t'es mort. Oh non! Oh, celle-là fait grave mal, c'est une brique. T'as pas le droit de tirer fort. Je tire de mon mauvais pied, j'ai pas le droit de tirer fort. Prête? Ouais. Non, mais c'est trop facile pour elle, ouais, j'aurais dû l'allumer. Je peux refaire, je t'allume. Non, maintenant c'est à moi, vas-y. Je vais gauler comme Courtois, elle va jamais marquer. Dis Siri, donne-moi un numéro entre 1 et 2. Ça fait 3. Et les bêtes, lui. 1, 2, 3, la grosse balle multicolore. Mais non, mais c'était là. Regarde, 1, 2, 3. Attends, mais d'habitude, tu tires toujours là-bas. A few moments later. Pour l'après-midi,
un tacos. Et Myriam, tu vas manger un grec. Et la boisson, déjà la boisson pour Younes, tu prends Oasis. Et Myriam, Lipton. Dessert, Myriam, tu prends un tiramisu. Et Younes, tu prends une glace. En vrai, c'est bizarre, Myriam. Ce matin, on a eu un bon déjeuner. Là, on a un grec. Moi, j'ai un tacos. Il se passe jamais une bonne vidéo sur la code familiale. Je pense qu'ils vont... Là, si tu vas nous réserver un truc bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que dans mon tacos, il y a des pétards ou... Ah, je sais ce que vous voulez faire, les abonnés. Ils veulent nous mettre bien et après, ils veulent nous... Quoi? Ils veulent nous faire grossir. Ce matin, du sucre. C'est pas grave, Myriam, parce que nous, on grossit pas comme on fait v'là le sport. Bah ouais, c'est vrai. Bon, les amis, on va commencer à taper notre tacos et notre kebab. Merci beaucoup, les abonnés. Vous nous avez grave mis bien. Donc, Myriam, présente ton petit kebab. T'as pris quoi comme composition? J'ai pris un kebab avec de la viande de kebab. Wow. Biggie Mayo, la base. Et qui prend pas Biggie Mayo dans un kebab? Et avec un supplément fromage, mais il est au fond. Bien évidemment, sans crédité, vous connaissez votre pote. Ah, sans salade, tomate, oignon. Oh là là, mais Myriam, tu perds tout le goût. Et avec les frites, bien évidemment. Moi, je peux vous dire que dans mon tacos, il y a tout. On va taper un... Qui tape son croc en premier? Toi, je te... Merci, vous allez voir c'est quoi un croc. À chaque fois, je vous dis c'est quoi les vrais crocs de vrai Younes. Vous êtes prêts ou pas? C'est quoi la compo de ton tacos? Mon tacos, il y a tout disponible, t'inquiète, il y a tout. Bismillah, 1, 2, 3, let's go, alléluia, comment grossir, c'est parti. Waouh. Oh lolo. Ça me donne vraiment envie de taper aussi un croc dans son grec pour comparer si je fais des meilleurs crocs. Mais bien évidemment, tu vas pas m'autoriser. Non. C'était sûr. Donc les gars, le tacos, ça faisait des mois que j'en avais pas mangé. Toutes les vacances d'été, j'en ai pas mangé. Ça m'a manqué, les gars. Vous avez vu le fromage qui dégouline comme ça là? Waouh. Oh my god. Dis-toi, j'ai la même chose en dessous de mon kebab. Vas-y, tape ton croc. Maintenant, regardez, un croc de faible. Un croc de faible. J'ai rien dit. Myriam n'est plus faible. Oh là là, en plus elle a fait le croc parfait. Parce qu'elle a été intelligente, les gars, soyez intelligente. Elle a mis les frites et la sauce au-dessus. Ça, c'est le meilleur combo possible. Dis-toi, Myriam, je te laisse manger. Quand j'étais au lycée, il y avait, je crois, c'était que le mardi. Je demandais à mes parents 5 euros et j'allais manger au grec avec mes potes. Parce qu'on avait 2 heures pour manger. Et vous allez rigoler. On avait tous un kebab, j'étais pas encore sur YouTube. Mes potes, ils avaient tous un kebab. Et moi, je faisais que de manger. Oh là, je le finissais en 2 minutes. Ils en étaient à là. Ils me disaient, mais Younes, t'es fou, comment tu fais? Ils parlaient pendant qu'ils mangeaient. On est d'accord que quand t'as un grec, tu parles pas, tu non, manges. Tu parles pas, tu manges. Le kebab, c'est une masterclass. Biggie Mayo, je vous reconseille, c'est vraiment une dinguerie. Vous mettez la Biggie, la mayo dessus, les frites, et c'est incroyable. Le kebab des anciens. Ça faisait combien que t'as pas mangé un kebab? Un mois. Un mois, ouais. Bon les gars, on va passer au dessert. C'est parti. J'ai la mission de trouver des glaces pour Younes. Ça va être très dur parce que Younes, il est très difficile. Donc on va voir ce qu'on a. En commençant, on a ces glaces là, les nuits. Wouh, elles ont l'air incroyables. C'est avec du caramel, des noix de pécan et tout. Après, ça, le problème, c'est que s'il mange ça, il va dormir parce que c'est la nuit. On a ces gros pots comme ça là, ils sont épais. Grave de la glace dedans. Mais ça fait trop penser au truc de grand-mère. C'est-à-dire, c'est pas la peine. Ici, on a des gâteaux, wow. Donc des moelleux au chocolat, à la vanille et tout. Je sais pas si on peut compter ça comme des glaces. En vrai, c'est plus des gâteaux que des glaces. Donc ça, c'est pas validé. Réfléchir, je vais lui prendre un bon truc, vous inquiétez pas. On arrive au dessert. Les abonnés nous ont mis super bien. C'est incroyable. Myriam, je te laisse présenter ton dessert, frère. Déjà, il y a une glace Odin. C'est vraiment incroyable. C'est les nouveaux tiramisu. Ouais. Ça, ensuite, ça, c'est à moi. Moi, j'en ai deux pour une fois. Toi, t'as un tiramisu. Oh là là, les gars, regardez toutes les couches. Obligé de vous montrer. Noir, blanc et là-haut du marron. Okay. Bouché. Parfait. Est-ce que c'est dur déjà? Ouais, hein? C'est dur au-dessus. Ah, la masterclass, cette glace. C'est dur au-dessus. Elle a vraiment masterclass. C'est dur. Vas-y, tu peux y aller. Oh, c'est plutôt timide de la part de la joueuse française. Voilà. T'as toutes les couches? Fais montrer. Oh, ah, j'ai envie de te mettre une droite. Mais je sais pas pourquoi. T'es ma petite sœur. Mais je sais pas, des fois, j'ai des envies bizarres. Faut pas que j'écoute la voix dans ma tête. Les gars, moi, j'aime pas le dain, t'es d'accord? T'aimes pas le dain? Ouais, t'aimes pas le dain. Alors là, c'est incroyable. C'est vraiment phénoménal. Je te promets que Younes, là, avec ça, je vais manger du dain tout le temps. Ah ouais? Ouais. Wesh! À mon tour, c'est bon, pause, ça y est, j'en ai marre de voir les gens manger. Alors là, Yacine m'a pris une glace Magnum, à moitié chocolat noir, à moitié chocolat blanc. Je laisse goûter. Ok. Non, merci. Aujourd'hui, je suis généreux, hein. Ça sera pas comme ça toutes les vidéos. Et retiens-le bien. Wouah, l'arnaque! Regardez la photo. Est-ce que tu vois la photo? Ouais. Est-ce que vous voyez la photo? Regardez comment c'est tout petit. Attends. Est-ce que c'est moi, je suis gros? Regardez la différence. Vas-y, je te laisse goûter, mais par contre, croque au milieu là. Au milieu. Et moi, j'arrive pas à croquer comme ça. Comment ça, t'arrives pas, wesh? Mes doigts, en fait, elles sont frileuses, genre, je supporte pas le froid. Et tu tapes un croc. Les magnums, c'est fait pour être croqué. Voilà, c'est ça que je voulais. Regardez à l'intérieur, il y a du caramel. Est-ce que vraiment, c'est juste la couleur ou ça a le goût du chocolat blanc, chocolat noir? Le chocolat blanc, on sent pas. Non. Du coup, tu mets combien sur 10, toi? En vrai, je mets 6 parce que c'est de l'arnaque. Quoi? Vas-y, c'est quoi? Ok, celle-là, je t'ai laissé juger. Maintenant, il m'a pris une nouvelle nouveauté. Ça, c'est des Ben & Jerry's et c'est des carrés de chocolat, je comprends pas, faut que j'ouvre. Ça ressemble à des Kellogg's. Tu peux les goûter? Par contre, t'abuses du bail. S'il te plaît. Eh les gars, je sais pas, attends, je regarde comment c'est d'abord. Oh! Trop bien! Regardez comment ça se présente! C'est des petites billes de chocolat!
Tu veux goûter avant moi? En vrai, elle est petite, après t'en as plein pour toi. Laisse-la, une espèce de crevard, bah, t'en as 50 000 des petites billes, laisse-la goûter au moins une. Oh, merci! T'as intérêt à pas dire que c'est incroyable, tu trouves un autre mot et regarde comment ça à l'intérieur. Déjà, on va couper. Ah, c'est comme du marshmallow. Oh, ouvre-le bien à l'intérieur, ouvre bien à moitié. J'aime bien voir ce qu'il y a dedans. Il y a de la crème, chocolat. Vas-y, je vais te laisser goûter. Ah, ça a l'air vraiment incroyable. J'ai dit le mot qu'il fallait pas. C'est bon, faut arrêter de le dire incroyable, ça y est. La personne va rendre ouf, c'est incroyable. Alors, non, vraiment, les trois glaces, elles se classent combien? Celle-là, je vous avoue, je suis pas fan. Non. Elle est pas bonne. Pas c'est trop. Quoi le goût au milieu? C'est quoi? C'est du café? Ouais. Ça? Ouais, c'est du cappuccino. Les gars, je fais mon classement. 1, 2, 3. Vous vous barrez, la caméra, vous vous barrez, je vous vire de mon tournage. Allez, partez. Et moi, je vais manger! Arrête de me pousser! Les gars! Ah pousse. C'est bon, les microbes sont partis, à moi de manger. 1 hour later. Après avoir mangé un bon grec et un bon tacos, on va aller faire du sport avec Yacine. Venez avec moi. Encore du sport? Coucou Yacine! Les gars, faut continuer à faire du sport. Vous croyez que si tant d'années sur YouTube on n'a pas grossi, c'est parce qu'on continue à faire du sport, les amis? Tu fais quoi comme sport là? De la musculation. Tu fais des poids lourds ou pas? Ouais, je fais des poids lourds, ouais. Genre, t'es un mec balèze, tu portes grave lourd. De ouf! Vas-y, je peux essayer un exercice. Vas-y, tu vas pas réussir, mec. T'es sûr? Ouais, tu vas pas réussir. Et moi, je peux vous montrer mes tractions? Non, ça va aller. Non, ça va aller. Ça, c'est grave lourd de ouf. Tu vas pas réussir, c'est trop lourd, ça y est, j'ai mis du temps à y arriver, c'est à cette charge là. Vas-y, les mecs, je vais essayer de porter le poids maximum de Yacine. Tu m'emmènes à l'hôpital si ça va pas. Ouais, non, moi je t'aide pas, moi je suis désolé, je peux pas aller derrière lui parce que c'est trop lourd et. T'en fais à peu près combien toi? 10. Ah, mais là j'ai mangé des grecs et des tacos. Oh, il doit avoir au moins 100 kilos dans ce truc. C'est super lourd, les gars, il va pas réussir. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Tcha! Tu vas pas réussir, mec! T'es sérieux? What? Mais t'es sérieux là, Yacine? Mais il est trop fort! Ça c'est lourd ça! Bah mais ouais! Pour ta une main, ça c'est lourd! Mais tu te fiches. Vas-y, essaye pour voir. Ça va? Mais comment t'as fait? C'est pas très lourd. C'est trop lourd. Bon bah je vais te laisser t'entraîner, moi je crois que je vais aller manger, c'est mieux. Je suis devenu trop puissant. Ouais, je crois que tu manges trop de grec. Yacine, tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Younes, il est trop fort. Non, c'est parce que t'es devenu trop nul, continue à t'entraîner. Parce que t'arrêtes de manger des grecs et des tacos, continue à t'entraîner. D'accord. Même moi j'arriverai à le soulever, je crois. Vas-y, essaye, mais faut pas exagérer non plus, toi tu vas pas réussir. Hein. Moi j'arrive à porter ça. Ah! Vas-y, go. Ah, quand même, elle y arrive pas. Et je suis sûr que vous derrière la caméra, vous y arrivez pas aussi. Mais moi, j'ai un don pour les tractions, au moins. On va pas te demander de faire des tractions, c'est pas la peine. Pour le dîner de soirée, Myriam va prendre des légumes pour Younes. Un quick, un boisson pour Myriam, du Schweppes tonic. Et pour Younes, du Oasis pour Cassis. Pour le dessert, un yaourt. Un yaourt nature. Oui! Pourquoi t'as un truc qui n'est pas des légumes? Mais c'est les abonnés qui ont décidé, Myriam! Ça fait pas mal, les abonnés, je vous offre plus de cadeaux, plus rien! Depuis toute la journée, elle a mangé un kebab! Le matin, elle a mangé des gâteaux! Et là, pour une fois, t'as des légumes, est-ce tu voulais! Est-ce que t'es un boss? Je suis pas un boss, moi, laisse-moi être. T'es pas un boss? Je suis pas un boss, non, t'es pas un boss! Oh, mais vas-y, yes! Sois un homme, Younes, mets-le en jeu, ton quick! Non, moi, je mets pas en jeu, c'est mort! Ouais, je suis comme les abonnés, vous m'avez mis sur YouTube, bien, là! Vous m'avez mis bien, les abonnés, vous m'avez mis bien! Oh, regardez, les gars! Frites! Cheddar. Moi je quitte la vidéo, ça y est, je... Younes, regarde frère ce que tu fais. Je vais juste ouvrir ma boisson à famille, je sais pas quoi là. Mets dans le verre, bois une bonne gorgée, après ça, tu vas kiffer. Quitte la vidéo. Non, quitte pas, ouais, je suis un bon joueur. Les gars, c'est ceux qui sont malades, qui ont la diarrhée et tout, et ben ils leur disent de boire du Schweppes tonic. Vraiment dégueulasse. Moi en tout cas, je vais me mettre archi bien. Non, vraiment, je vais pas quitter la vidéo, mais vraiment bien, tu remets en jeu. Je remets toujours en jeu mes trucs. Pourquoi tu veux que je remette en jeu? Myriam, laisse-moi tranquille, à chaque fois que je fais ça. Vas-y, si t'es le boss, alors vas-y, pourquoi tu veux que tu remets pas en jeu? Vu que les deux ils sont pas d'accord, j'ai un contentieux. Un contentieux, ça veut dire j'ai un arrangement. J'ai un arrangement pour les deux. En gros, vous allez faire pierre, feuille, ciseaux, celui qui gagne, il choisit ce qu'il veut et l'autre il a pas le droit à la parole. Pierre, feuille, ciseaux. Cassé. Bon, je vais pas être une hagal, je vais pas manger et je vais faire un autre jeu pour qu'on remette encore en jeu. Le jeu, je vais vous expliquer. En gros, Yacine, il va me dire de dessiner un truc et celui qui dessine le mieux, il a l'aide. Les nerfs sont tendus, j'espère Yacine, il va pas perdre son cul, sinon il va faire une crise d'épilepsie, lui, je le connais. Tu vas devoir faire deviner un tigre à Yacine. En combien d'essais? 3, on va dire. En poisson? Non. Un chat? Donne un indice. C'est un animal sauvage avec des rayures et de la fourrure. Ça commence par un T. Un tigre? Tu vas dessiner un âne. Ça c'est pas un tigre, c'est une saucisse de hauteur. Vas-y, tu vas te moquer de moi, tu vas dessiner un âne. Un âne? Ouais. Ah, il entend, il a dit déjà un truc moins fort. Tu dois dessiner un lion. Un lion? C'est quoi ça? Un chat? Non. Un indice? Ouais. Un dragon? Non, il fait pas ça. Un singe? Yacine, je fais chier, c'est un lion. Oh, mais c'est pas un lion, ça, n'importe quoi, c'est un singe.
Non mais sors de là, t'as perdu. Victoire de Myriam. J'ai découvert son truc et Younes, j'ai pas découvert du coup. Myriam peut manger le quick. Yes, shoot, Lionel Messi, Mbappé. Waouh, Myriam, tu vas où? T'as pas le droit. Oh, il arrache quitte la vidéo les gars. Myriam, teste-nous ça. Pourquoi t'as déco de la PlayStation? Teste-nous ça. Si la rage quitte la vidéo la famille, ou ça en fait plus pour Myriam. Eh hey, je vous dis la vérité, le Quick c'est un des meilleurs fast-food au monde. Il est trop trop bon le Quick. Les meilleurs burgers au Quick, c'est le Supreme Chicken Barbecue. C'est ça qui est incroyable aussi. Le poulet, ouais, vas-y goûte. Poulet. Oh là là, ça a l'air trop bon. En plus ce qui est bien c'est que le Quick à côté de chez nous il est halal. C'est-à-dire on peut manger du poulet, c'est trop stylé. Un long chicken, waouh. Ça c'est l'un des meilleurs burgers. Attends. Fais le combo magique, frites cheddar, long chicken. Ça, c'est un truc de fou ça. Combo magique la famille, mais une bonne poignée pour être généreux. Incroyable, monte à la caméra. Regardez les gars, referme-moi tout ça. Bismillah, un bon croc. Bismillah. Les gars, c'est tout le monde, carrément, c'est incroyable. C'est phénoménal. Non, c'est plus fini, incroyable. Faut dire, c'est phénoménal. Un message pour les 3 abonnés qui ont fait la vidéo. Amine, Maher et Swail, je me suis fait ragal. Vous m'avez dit que j'avais droit à un quick. Ils m'ont pris mon quick. Donc moi, je rachète la vidéo. Merci de m'avoir proposé la vidéo quand même. Les gars, écoutez-le pas, c'est un sorcier. C'est grave. Et pour de la nourriture, vous êtes prêts à vous battre. Ça, c'est le Giant. Le Giant, à ce qui paraît, il est incroyable aussi. Bismillah. Oh là, ils ont mis grave de la sauce. Les gars. C'est malade. Personne va voler mon plaisir. Personne va me casser mon plaisir. Younes, c'est stupide. T'es malade, vous. Oh, oh. Mets touché. T'es toujours pareil avec lui, j'en ai marre. C'est sur qui? Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a pas plu, surtout pour la fin. Et merci aussi aux abonnés qui nous ont proposé les repas. C'était vraiment super bon. C'est juste Younes, là, il fait que tricher. Allez, ciao, ciao.